Eh bien salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45, comment allez-vous? Boum, grappin. Oh putain, tu l'as esquivé en baissant sans faire exprès. On se retrouve pour l'épisode 40 de Dying Light 2. Monsieur Funeral, comment allez-vous? Ça va bien et toi? On m'appelle le tisseur de toile. Non mais si tu voyais à quel point c'était ridicule. Quoi de beau? Bah écoute, tout va bien, il y a plus de pixels horribles sur mon écran, je suis très heureux. Eh ben c'est une très bonne nouvelle, il est temps de parler à notre petite dame, évidemment. Véronica, c'est ça? Véronica, ouais. Pacificateur. Oui, mais seulement pour arriver jusqu'ici. Aitor, il cherchait à faire le bien au vieux Vildor. Mais la haine entre le bazar et les pacificateurs a pris trop d'importance. C'était devenu une véritable poudrière. Et ces renégats, pourquoi ils cherchent? Probablement pour le même motif que toi, pour accéder à la base de données du GRE. Qu'est-ce que tu comptes en tirer, Aiden? Pourquoi es-tu prêt à risquer autant? Bah ma sœur, hein. On lui en parle? Oui, elle a l'air gentille. Je cherche ma sœur. Ta sœur faisait partie du GRE? Non, elle était leur prisonnière. Ça fait 15 ans que je l'ai pas vue. Une prisonnière? Tu veux dire un de leurs cobayes? Je sais pas ce que je vais trouver. Elle est la seule famille qui me reste. La seule réponse à ce que Waltz nous a fait. Waltz? Il nous y retenait. Il prenait plaisir à expérimenter sur des enfants. Est-ce que vous étiez au courant? Je n'occupais qu'un poste intermédiaire. Je suis désolée. T'as besoin de savoir autre chose? Ou on peut y aller? Pourquoi tu m'aides? Toi aussi, tu cherches quelque chose dans la base de données? Aiden, ces chambres fortes contiennent les plus grands secrets de mon organisation. Je suis presque morte, car j'en faisais partie. Je dois découvrir ce qu'ils cachaient. Et si t'aimes pas ce que tu vas découvrir? Qui ne tente rien n'a rien. Comment une médecin du GRE a-t-elle fini dans le bazar? En ne disant à personne que j'avais travaillé pour le GRE. Après la Révolution, le GRE a été accusé du désastre. Ses employés furent regroupés, puis exécutés. Les gens utilisaient la vengeance pour soulager leur peine, même si ça marchait pas. Il est arrivé ce qui devait arriver. Désormais, je suis quelqu'un d'autre. Et comment tu comptes nous faire entrer dans l'observatoire ? Écoute, il y a un tunnel de sécurité qui mène au complexe. Il a été verrouillé il y a plusieurs années. Donne-moi la clé. Non. C'est un piège. L'homme qui fait confiance à tout le monde pourra plus loin. Et je voulais pas l'utiliser, moi, la clé? Tu es sûr que la clé fonctionne? Elle fonctionnait avant. Le problème vient peut-être du manque d'électricité du bâtiment. Est-ce qu'il y a un autre moyen d'y entrer? On m'a rendu la clé. Tout dépend de ce qu'on est prêt à risquer. Un paquet, si tu veux mon avis. Bien. Viens avec moi. Je vais te montrer quelque chose. Attends, quand t'as dit « on », elle parlait de nous. Elle va rien branler, on est d'accord. Ok, elle vient de disparaître. Oh, vraiment que j'apprenne cette technique. Hein. Tiens, regarde, de disparition. Ouais, genre la sangle beaucoup. Ok, 73 mètres. Elle a dit « viens avec moi », c'est pas du tout où elle est partie. Je sais où elle est partie, au point jaune. Ouais. Ok, et j'ai du mal à escalader une barrière, ouais, alors que je suis censé avoir des points d'escalade, hein. Ok, voilà. Bon bah je suppose qu'on va devoir passer par en haut pour soit réalimenter toxique. Un petit peu plus. De quoi? Produit toxique. Ouais mais ça faut, tu l'esquives. Oui mais il faut faire attention. Hop, elle est déjà là. Ah, il faut qu'on marche là-dedans, c'est ça? Tu n'auras que 3 secondes à chaque fois, chaque pas compte. Tu vois les dômes? Ouais, mais le coin est inondé de produits chimiques. Le GRE avait une solution à ça. Des Quand bots. Ils ont créé le THV GenMod, ils ont dû protéger leurs employés contre l'exposition. Le THV quoi? Les produits chimiques. Ils étaient chargés en agents bloqueurs, des doses qui devaient protéger leurs travailleurs pendant quelques minutes contre les vapeurs. Heureusement, j'ai encore 2 doses. Ah bah heureusement. J'avais l'impression qu'elles seraient utiles un jour ou l'autre. Bah c'est ça alors. Ça doit valoir une fortune. Mais elle n'a pas pensé qu'on était en coop, et donc elle en a besoin de 3 doses. Écoutez, monsieur B-Boy, je vous laisse. Y allez. Pourquoi juste moi? Attends, tu viens pas? Non, je te rejoindrai. Mais je veux d'abord que tu rétablisses le courant dans le bâtiment. Ah, ok. En fait,
Je souffre de crises d'angoisse quand je suis dans des espaces étroits ou dans le noir. Un peu facile. Tu dois croire que je suis une lâche. Tu sais que c'est un mensonge, monsieur Bibel. Au contraire, je crois qu'il faut avoir du cran pour venir. Ce qu'elle raconte là, elle pipote de ouf. Alors c'est parti. Elle nous attendait quand on est arrivé. Tu dois d'abord rétablir dans un espace dans le noir et étroit. Je pourrais alors te rejoindre. Et là, elle veut nous faire croire qu'elle est claustrophobe. N'oublie pas que la dose se protège contre les produits chimiques. Est-ce que c'est du poulet, Mr. Bibel? Je sais pas, je n'ai pas encore eu la chance de goûter. Prendre l'autre aussi. Vous le goûterez cet été. Non, pas en même temps. Non mais ce serait beaucoup. Non mais par contre, tu vois, pour moi ça c'est il y a une erreur de dialogue ou de traduction peut-être, tu vois. Tu devrais voir une porte qui mène à l'intérieur. Tu y seras en sécurité. Dirige-toi ensuite vers le bloc B. Oh, allez, dépêche-toi, merde! Dès que tu auras rétabli le courant, la porte de sécurité sera déverrouillée et je pourrai te rejoindre par le tunnel que je t'ai montré. Bah, sinon, je allez, fais tout son poids, en fait. L'agent bloqueur fonctionne. Oui. Je suis claustrophobe. Et par contre, j'attendais dans un ordre petit bâtiment. Ouh. Hey, Don, je ne plaisantais pas sur le temps. L'agent bloqueur. Ah oui, bon, on a 55 secondes pour aller là-bas. On l'a pas pris, mais ça fonctionne. Elle nous l'a donné, c'est par Bluetooth. C'est technologique, tu peux pas comprendre, monsieur B-Boy, on est trop vieux pour ça. Ah, on a 40 secondes pour monter. Oh, D1. Ah. Le chemin est comme tout tracé. Hop, raccourci, hop, raccourci. Voilà, raccourci, c'est bon, je suis en haut. Hein, premier arrivé, c'est une poule mouillée. Bon, ah bah c'est toi. C'est... Normalement. Voilà. On a fait un truc. J'ai réussi à passer les produits chimiques du premier dôme. Génial. C'était beau. Rends-toi au deuxième dôme. Trouve une porte. Une trappe. Ou ce qui pourra te mener en bas. D'accord. T'arrives ? Oh ouais. Elle est où la corde ? Ok, ensuite. C'est bon. Je suis en haut, monsieur Fufu. Le dernier arrivé est une poule mouillée cette fois-ci. Ah bah on est tous les deux des poules mouillées alors. Hop. Bonsoir. Oui. Il y aura 10 000 zombies pendant 10 ans, je pense. J'ai trouvé l'entrée. Non, là, il n'y a pas de trappe depuis son fond. Cet endroit aussi bien. Je n'y suis venu que. Non, il y a des produits chimiques, ça est censé tuer les zombies aussi, non? Mais j'ai une bonne mémoire. Ouais, c'est pratique. Ouais. C'est parfois une malédiction. Faut aller dans l'eau. Vraiment. Ah bah tiens, qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte? Ah, il faut que tous les gens soient présents. Ah. Bah moi tu m'as dit faut aller dans l'eau, j'ai dans l'eau. Non, j'ai dit je suppose qu'il faut aller dans l'eau. Bah y'a rien dans l'eau, hein. Donc Bah non, c'est blindé de zombies, hein. Ouais. Véronica, y'a une horde d'infectés ici. Merde. J'espérais que les lieux seraient vides. Oh bah eh qui ben cru. Je sais pas si moi, je vais pouvoir passer. Franchement, moi je suis étonné. L'utilisateur UV de ta ceinture. Ça devrait suffire à les tenir éloignés. Ne t'arrête surtout pas. Ok, torche UV. Prêt? Attends, non. Faut courir, hein. Faut pas les tuer, hein. Mais attends, j'ouvre et on sprint. Attends, elle est où la... Flèche de gauche, c'est à la place du grappin. Oh putain, attends, j'ai retiré le grappin, putain. Bouge pas. Bouge pas, ils ont une très bonne idée pour les inventeurs. Bah non. Bah si, tu fais flèche de gauche et en fait ça remplace le grappin. Non mais frérot. Dans inventaire, accessoire, torche UV normalement. Inventaire, accessoire. Et t'as la torche UV. Ou si t'as pas, tu cliques dans un emplacement vide. Ah et... mais t'es obligé de remplacer Ok, non c'est oui, tu peux pas avoir le grappin et la torche UV en même temps. Et toi, t'as amélioré ta torche UV en deux? Non. On peut? Non, tranquille. Voilà, tranquille. Ah, tu veux tous qu'on les étouffe? Non, on pourra pas. Bah, il nous a été cavalé quand même. Ouais, c'est vrai. Bon, allez, vas-y. Bah, Anthony Cavala. Allez, rien à péter. Ah, beaucoup de monde. Ah. Ok, faut retomber. Pas les couilles. Cascade. Hop, cascade. Parfait. Hop, c'est fini, ils peuvent plus nous suivre. Hop, cascade. Cascade. J'ouvre ici. Crocheté, tu me... Oh, damn. Je fais ce que je veux. C'est bon? C'est bon. C'est tout seul, tu fais comment? Hein? Petit
t'es tout seul? Ouais, tu crouches. Tu te démerdes. Oh non, y'a ces connards qui hurlent et qui crient. Ouais, les connards qui hurlent et qui crient. Ah ouais. Les... Il faut que tous les joueurs soient là. C'est quoi ce bruit? Ah oui, c'est bien ce que je pensais. C'est loin. C'est waouh. Il faut rester appuyé, hein. Ah. Allez, bonne nuit les gars. Faut surtout pas tomber par le coin. De l'autre côté? Bah attends, peut-être éteindre pour fouiller. Le courant est rétabli. On peut éteindre? Génial. Ah non, le tunnel de sécurité est ouvert. Je vais essayer de prendre l'ascenseur. Ah, le tunnel de sécurité est ouvert. Il est où le tunnel de sécurité? Cet endroit était une vraie ruche, bourrée d'infectés. Mais je m'en suis débarrassé. Dans l'ascenseur. C'était des êtres humains avant. Le mec mérite un peu de respect. Il est où? Moi je pense qu'il faut les fouiller, Bibiche. Ah. Viens voir tout ce qu'il y a à fouiller. Hayden, qu'est-ce qui se passe? Quoi? L'ascenseur, il s'est arrêté. Je vois. Avec l'autre fois, je crois que le fusible a sauté. Je vais voir ça. Oh bah le fusible qui saute, c'est vraiment pas de bol. Je t'en prie. Un fusible qui a 50 ans. Ah c'est bon, elle redevient claustrophobe au fait. Ah ça y est, elle est reclaustrophobe. Oui, ça y est. C'est de la claustrophobie scénaristique. Ne me laisse pas ici. Ne t'en fais pas. Et tu sais quoi, j'ai envie de tomber. J'ai juste besoin d'un moment. Hop, ça marche, hein. Viens tout ramasser, hein, tous les paquets, hein. Trophée d'infecté et tout, hein. Elle attendra, hein. Bah, il est où le fusible? T'as ramassé le trophée d'infecté inhabituel? Ah ouais. Oh mon dieu. Si on met du temps, elle va péter un plomb et... Elle va faire un test cardiaque. Elle va surtout mourir. Bah on dirait, hein. Putain, Hayden, mais... C'est où? J'y derrière. Travaille. Je veux juste sortir. Laisse-moi sortir. Mais elle peut pas mourir de claustrophobie. Je suis pas en train de me tourner les pouces. Bah une crise cardiaque? Genre une hyperventilation? J'essaie de respirer. Lentement. Me laisse pas. Me laisse pas ici. Ça sert à rien de crier. Bah attends, j'y vais. Tirer des infectés. C'est bon. Calme-toi. Je vais pas te laisser tomber. C'est bon, j'ai un câble. Bah vas-y, faut que tu me guides, je sais pas du tout où brancher. Ah, l'autre côté. Là-haut, là? Là où je vais? Ouais. Non mais... C'est bon, t'as assez de câble? Oui, de zéro, enfin de moins d'un mètre, mais t'inquiète. Véronica, le courant est rétabli, ça va? Marcher sur le mur ici. Où est l'ascenseur? On rigole. Véronica? Quoi? Je te retrouve aux ascenseurs. Elle est chelou. Elle devient zombie quand elle est claustrophobe, frère. T'imagines? Ah! Y'a un truc médical. Où ça? Là, kit de soins militaires. Aïe, t'inquiète. Ah, accrochage intermédiaire. Hop, open. Et là, bizarrement, on la laisse au calme dedans. Inventaire plein pour un masque, quel enfer! Attends. Masque. Hop, abandonné, rien à péter de ça. Masque lui. Oh, niveau 5! Première fois! Moi, j'ai pas eu de masque. J'ai la jalousie en moi. T'es très vite jaloux pour rien. Oui. Il est beau? Le lavabo? Hey, tu vas bien. Tu vois? Je t'avais dit que tout allait bien se passer. Allez, entre. Après, je suis pas claustrophobe, mais moi non plus, j'aime pas être enfermé dans un ascenseur. Oh, là, il est grand. Ah non, mais peu importe la taille, hein. Une boîte de conserve comme ça... Et là, on se transforme en zombie, on la tue. Imagine. C'est vos biceps que je vois dans l'ombre de la lumière, base de données. Non, c'est ma tub. Où elle est? Ah, oh, magnifique. Une seconde. Bon, d'accord, mais calme-toi, cousine. Oh, sous nos pieds. Il faut encore descendre. 6 étages plus bas. On va la calmer, hein. Fallait pas faire ce métier, madame. T'as toujours été claustro? À ton avis. Ça
avait plus de 10 ans. Bah, on aurait pas pu deviner alors. Et qu'est-ce qui s'est passé? Hayden, nom de Dieu, on peut parler d'autre chose. J'avoue, t'es pas tactique, hein. Allez, parle, Véronica, parle. C'est assez high-tech. Avant le GRE, ce complexe était tenu par l'armée. Ils y supervisaient les menaces potentielles, comme les bombardements. C'est pour ça qu'ils l'appelaient l'Observatoire. C'est alors que le virus a déferlé. Et c'était fini. C'est les plus longs 6 étages que j'ai jamais vus. Et au final, il s'est passé quoi ici? C'est un très bien long ascenseur. Le GRE a perdu le contrôle de la situation, et tout s'est écroulé. Un véritable enfer. Dès qu'elle aura fini sa phrase, ça va s'ouvrir. Les scientifiques s'y sont barricadés entre eux. Mais très vite, les conditions sont devenues aussi mauvaises qu'en ville. Ce qui est bien, c'est que toute la ville a certains la même hommes ont alors décidé de s'échapper. Les mêmes boutons, tout pareil. Et ceux qui sont restés... Ça, c'est bon. Sont ah bah le gros, c'est les fournisseurs officiels d'ascenseurs de la région. Allez, bon. Sacrée histoire. On appelait ces endroits des témoins de l'histoire. Non mais même ici, il y a des libellules là qui volent. Ouais, je te jure. T'as un 6 étages. Super. On est qu'au deuxième. Attends, je vais trouver quelque chose. Voilà, elle a des contours bleus à cause de la lumière, c'est trop bizarre. Bon bah ça va être encore la merde, mon cher Fufu. Oh non, je veux pas mettre des câbles. Oh tiens, vas-y, crochette, hein, flemme. On pourrait alimenter tout. Ah bah fous les câbles alors. Ouais, vas-y. Madame, vous voulez pas partir? Faut ça, c'est difficile. Comment ouvrir ces portes? Peut-être de l'autre côté. Bon, vas-y, je m'en occupe. Je m'en occupe, mon cher funéral. C'est ouvert. Un jogging niveau 5! Ouais. C'est un peu étroit ici. Voilà. Et ça fait que... Ah, t'es sous le toit? Ouais. C'est le moyen d'accéder à la base de données. Mais je comprends pas où est le truc à câble en fait. Donc je ne peux pas aller... Attends. Je pense qu'il faut aller de l'autre côté pour ouvrir la porte. Attends, va check de l'autre côté. Dis-moi, je vais prendre mon pantalon. Oh, hein. J'ai peur. Ok. Pourquoi t'as peur? Il fait si noir. N'aie peur. Attends, il y a un truc du greu ici. Ok. Un haut unique, monsieur. De niveau 5. Il y a des baskets de niveau 5. Allez. Où ça? Là, de l'autre côté, il y a un truc du greu. Attends. J'arrive, mais il faut que je tire un câble, bibiche. Mais d'où? Alors, attends. J'ouvre. Là, je l'ai pas. Regarde. Eh. Eh, bonsoir. Ok. Et je peux me brancher où? Véronica, tu tiens le coup? Là, je crois, sur le paille à droite. Cette base de données et me barrer de là. Ouais. Tu trouves un moyen d'aller à droite? Continue de me parler. Pourquoi tu m'aides réellement? Tu prends un sacré risque. Ouais, c'est à droite. Franck m'a dit que c'était okay. Important pour toi. Ok, attends. Et c'est tout. Et comment on va à droite? Ça pourrait marcher. Bah, en allant pas à gauche en fait. Bon, attends, j'y vais. On peut pas aller par là, j'y vais, non? J'y vais. Je vais check. Ah, j'ai trouvé. Il faut refaire le chemin depuis le début? Ici, je crois. Attends, t'as trouvé où ton haut? Parce que tu m'as pas dit. Là. On peut pas ping? Non, on peut pas ping dans le jeu. Ici, là. Dans le coffre du bureau. Fufu, épisode 40, demande si on peut ping. Non, mais je me pose la question. Je suis tellement content. Alors? Bah non, quand tu prends la porte que j'ai ouverte, sors de la première porte à gauche. Et de quoi? Le haut. Ah oui. Mais est-ce que t'as trouvé? Bah là, je rampe. Telle une chenille. Bon, je viens avec toi. Vous rampez aussi? Telle une chenille. Il y a des particules partout, c'est incroyable. C'est parti. Ils se sont dit sur la PlayStation 5 et la Xbox Series X, il faut mettre des particules partout.
C'est ici qu'il faut se brancher. Mais monsieur, on est dans un endroit où il peut pas y avoir de poussière. Je veux rien savoir. Mettez des moustiques dans les cinématiques aussi. Et je veux que quand il pleut, ça fasse de la gadoue dans les yeux. Vas-y. Car moi, je porte des lunettes. Tout le monde porte des lunettes dans le jeu maintenant. Bien ouais, Jean. Et ouais. Faut lui parler maintenant. Salut Véronica, maintenant fais quoi ? Attends, je me dirige à 5 mètres, suis-moi. C'était une bonne idée de rediriger le circuit. Ouais, ouais. Ça m'a sauvé la vie. On dirait qu'on a acquis le réseau, tu sais. Véronica, on y va ? Oui. Finissons-en, et après on se tire. Par ici. C'est long pour un reveal qui va sûrement nous décevoir. J'ai envie d'y croire. Tu connais la fin, toi, ou pas, en vrai ? Ah non, 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 absolument pas. Je serais jamais spoilé le jeu. L'ordinateur principal est ici. Doucement, quand même. Ah non, 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 elle lève la main droite, tout ce que tu veux. Et tes parents ? Ah merde, il faut la suivre. Attends, c'est la première fois qu'on peut suivre un PNJ et parler avec lui. On formait une bonne équipe. Sans elle, c'est comme si... C'est juste elle qui nous parle. Je sais pas. Ouais, mais vous avez compris ce que je veux dire par là. Je sais pas vraiment qui crochetage derrière, si jamais. Ouais, je vois. Crochetage ici aussi. Ah, zombie. Là, ici, là. Il est là, le crochetage, si jamais. J'en fais un. Au fait, j'ai vu Scream, le remake. Alors ? Tu l'as vu ? Non, je l'ai pas du tout vu. Bah, c'est un slasher, quoi. Rien de fou, mais rien d'horrible. Il y en a, ils ont dit que ça avait pas la fibre de l'original, parce que bah, le réalisateur est mort. Non, mais c'était énormément de clins d'œil et tout à l'original, voilà, c'était ouais, pas bon, dégueulasse. Ça se regarde, c'est cool, c'est pas... je regarderai. Ça se regarde, t'essayes de trouver le tueur, c'est cool. Voilà, c'est pas... pas le meilleur truc de ma vie, mais... C'est ouvert à droite. Ah merde. Attends, j'allais lui parler. Over here. Ah mais non, mais c'est pas ouvert. Non, mais là, ici, là, le coffre. Bah oui, c'est moi qui l'ai ouvert, Fufu. Non, pas celui-là. Lequel ? Celui-là. Ah. Oh, jogging de niveau 5, un beau jogging. Eh ouais, on fait plaisir ici. Voilà, ça change quasi rien. Allez, go. Bon, je pense qu'il faut passer par le toit, mais flemme, hein, pour aller à la pièce de gauche, tu vois. Celle où il y avait les zombies, là. C'est ouais. Encore verrouillé. Oh, on va devoir y aller, quand même. Le terminal est inactif. Le système de sécurité a isolé cette zone. Mais ça sert à rien, il... Ah, à moi de jouer. J'ai peut-être une idée. Essaie de trouver la salle des officiers. Il y a c'est un bureau censé de sécurité. Être un gigantesque complexe. On pourrait essayer d'y contrôler le verrouillage des portes. Tu devrais pouvoir utiliser ta clé du GRE pour ça. T'en connais un paquet sur ce bâtiment. Je t'en prie, mets la clé et sélectionne « Déverrouillage d'urgence » sur l'écran. Je t'expliquerai tout quand on aura terminé. Waouh. Il y a une poussière qui a traversé faut... son œil. Faut le mériter, ce reveal, hein, putain. Ouais. Ok, marche arrière. Ça va, il y a des flèches qui nous aident. C'est là le truc du GRE ? C'est là. Hop, je mets la clé. Ah, ça a ouvert la porte à ma droite, non ? Aiden, ça a marché. Ça a peut-être ouvert la porte des zombies à côté d'elle aussi, non ? Oui, c'est ça. Je suis coincé ici. Je dois trouver un moyen de sortir. Est-ce que je peux t'aider ? Non, je pense pas. Reste où t'es. Continue à faire ce que tu fais. C'est-à-dire rien. Voilà. Non mais en fait, des fois, j'essaie de me mettre un peu à la place du héros. Je me dis, si ça avait été moi... Gros, j'aurais même pas pu escalader une barrière de 1 mètre là. Je serais mort la première minute du jeu. Hein. J'aurais vu une barrière, je me serais fait un claquage. Ah, Jax. J'aurais sauté sur un matelas, j'aurais plus de genoux. 10 contre 1, on va devoir tomber là où il y a les zombies. Et par conséquent, déverrouiller la porte. Et voilà. Par conséquent... T'es prêt ? Attends, j'étais dans... Keblo. Est-ce qu'ils veulent mourir ? Oh, le feu, ça fait mes couilles. Mais qu'est-ce que le feu ? Quoi ? Bah, ma gueule ! C'est littéralement pas ça, frère.
Et là, on peut plus les fouiller. Ça sent la fin de Monsieur Fufu. Quand c'est difficile. On peut fouiller quoi, les zombies? Bah là, je peux pas les fouiller, moi. Yes. Oh, il est bon. C'est un crochet difficile. Oh, un masque du désert. Oh, je l'équipe direct. Un pantalon, encore une fois. Oh là là, je suis tellement beau gosse. C'est quoi, jaloux, hein. Je te regarde pas, hein. Faut le savoir. Y'a des trucs dans le frigo. Oh. Un masque du désert. Oh là. De toute façon, c'est là où faut aller, bichette. Hein. Ah bon. Mec, il croit avoir trouvé des trucs de ouf. Tiens, j'ai besoin de toi pour la ventilation. Voilà, y'a que à deux qu'on peut le faire. Ah bah... C'est 4 bras valent mieux que 2, hein. On va trouver une petite fille zombie. Oh là, le ventilo! Tu l'as vu ou pas? Docteur Véronique. Il a bougé telle la force. Directrice. Non mais y'a des insectes. Laboratoire d'études. Non, elle a menti. La pute. Un médecin du GRE intermédiaire, mon cul! On dirait le bureau de Véronica. T'as pas été honnête avec moi, Véronica. C'est qui ce garçon? Peut-être son fils? Aiden. C'est drôle. On dirait qu'il y avait une autre Véronica Ryan, directrice des laboratoires d'études. Je comptais te le dire. Pourquoi tu m'aides? Tu travailles avec Waltz? Waltz? Non, jamais. Même à l'époque, je m'y opposais. Waltz avait sa propre équipe de chercheurs. Mais t'étais au courant de ses expériences. Comment ils ont utilisé des enfants, ma sœur et moi? C'est pour ça que je suis là. Je ne peux pas l'oublier. Tout ce qu'on a fait ici. Comment on vous a laissé tomber? Tous ces gamins qui souffraient. Sans aucun remède pour les soulager. Remède? On avait 5 ans, bordel de merde! Les jeunes enfants présentaient une immunité naturelle au virus. On y a vu une corrélation entre l'âge, le développement cérébral et la gravité de l'infection. C'est pour ça qu'ils faisaient des expériences sur vous. Le GRE, le monde, avait besoin de vous. Vous sembliez être notre seul espoir. Je suis désolée. Ça en valait la peine? Avez-vous jamais approché d'un possible remède? Nous y étions presque. Mais le virus a fini par atteindre le complexe. Dommage. Alors, t'étais impliqué dans ces expériences? Non. Les tests sur les enfants ont tous été effectués dans un laboratoire. Ici, on ne faisait que compiler les données et les recherches. J'étais là quand tout s'est passé. Les membres des équipes ont commencé à se transformer. Et la situation a vite dépassé toute forme de contrôle. Un à un, nous étions enfermés à l'intérieur. On se cachait. Et on se faufilait entre ces couloirs obscurs et les conduits de ventilation. Ah, faute d'orthographe. Mon fils était là avec moi. Paul. Il avait 5 ans à l'époque. Qu'est-ce qui lui est arrivé? On devient hyper. J'ai trouvé le conduit qui menait à l'entrée principale. J'ai dit à Paul de m'attendre. Si on en mode je l'ai embrassé. Je lui ai dit d'attendre que je m'assure que l'entrée était sûre. Il s'est accroché à moi. Il ne voulait pas me lâcher. À mon retour, il n'était plus là. Je ne m'étais absentée que 15 minutes. C'est long, 15 minutes, hein. J'ai passé la semaine suivante à le chercher. Et le reste de ma vie à pleurer. 8 épisodes si tu refais le flashback et le générique. C'était qu'un gamin. Effrayé. Je suis désolé. T'essayais de le sortir de là. Comment t'aurais pu le savoir? Enfin. On a tous nos histoires passées. Autant nous concentrer sur ce qui nous attend. Elle oublie vite, elle aussi. Ok. Allons-y. Bon. C'est beau. Ouais, le reveal était un peu flingué, celui-ci. Enfin, c'est pas... Oui, non, c'est pas fou. C'est pas le plus intéressant. Hop, elle remarche très tranquillement. Mais surtout que, je sais pas, on aurait dû vivre ce qui s'est passé à l'époque. On aurait fait « Non, c'est elle la pute !» Tu vois, genre, on aurait pu avoir ce genre d'expression. Mais on s'en fout, en fait. Parce qu'on est des gars sympas. Je sais pas qui c'est.
elle va enfin ouvrir la fameuse porte. Et on va pouvoir s'arrêter là, et ça c'est beau. Bibouba biboup. On va lui parler quand même. Alors, on y va ? J'espère que tu trouveras ce que tu cherches. Toutes les données du GRE sont là, Aiden. Je vois rien. Oui. Qu'est-ce qu'il y a ? Merde, je sais pas. Eh ben, restez. C'est un peu rouge, hein, quand même, hein. C'est coincé. Tu vas pas, merde. Pas de... J'y vais. J'en ai marre d'attendre. C'est le moment d'obtenir des réponses. Oh, c'est le une salle de boss, hein. Oh, wow. Non, c'est une salle où on va avoir c'est une part qui va arriver en Y, là. Hein. Véronica, qu'est-ce qui se passe ? Je crois que sur PC on est censé voir à travers, non ? On a déclenché l'alarme. Hein ? En vrai, sur PC, je pense qu'on est censé voir à travers. La procédure de décontamination, c'est pas bon ça. Ça doit être une vie transparente, parce que là, il regarde comme s'il regardait à travers en diagonale. Mais comment on l'empêche ? Oui, c'est vrai. Ah, c'est possible alors. Bah, je pense. Véronica ? Ouais, bah, ouais, ouais. Véronica ? Ou alors, faut du RTX. Mais non, on l'a désactivé ! On l'a désactivé ! Mais mec, il faut du RTX pour faire une. Si, y'a moyen. Je peux pas l'arrêter. Non, pour un miroir ! Non, mais active-le ! Tu verras. Fais quelque chose! Ah non, il y a un système de déformation pareil. Réfléchis, plus vite! Les bloqueurs, il m'en reste un. Active-le, tu verras. Je pense qu'on est censé voir. Je vais trouver ça. Là, je peux pas. La salle de contrôle, ils en ont peut-être gardé là-bas. Allez, si je peux. Trouve la salle de contrôle. Contamination prête à commencer. Alors? Non, je vois pas. Non, tu vois rien du tout? Ah non, que toi. Eh bien, on va s'arrêter là. Attends, il reste une minute. Oh là là, on va pas s'arrêter là. Tiens, l'échelle. Oh putain, mec, 130 FPS. Oh, c'est horrible, je suis tout en 20 FPS. Quoi ? Attends, je suis censé. Je suis un connard. T'as une porte là ? Mets-toi le grappin. Bah oui, puisqu'on a cette lampe torche, je peux mourir. Je sais, bordel. J'ai raté. Ah bon, j'ai raté un peu. C'est bon, j'y suis. Tu peux me TP ? Il me propose pas. Il est où le grappin ? Il y a un truc pour accrocher le grappin ? Hop, il y a un truc qui vient d'apparaître. Nice, tu m'as TP. J'en ai trouvé un ! C'est ça ! Place à la meilleure partie. Un bloqueur. Les filtres, ils doivent être puissants parce qu'entre tous les moustiques, les poussières, les ballots de paquets en l'air, il arrive à détecter les molécules de virus dans un corps. C'est beau. Ouais. Ah, on voit Véronica en haut à gauche. Hop, elle a disparu. Aiden ? Aiden, tu vas bien ? Ouais. J'ai utilisé l'agent bloqueur. Dieu merci. On est en sécurité maintenant. C'est bon à savoir. Prêt à brancher ? Tu plaisantes ? Vas-y ! Allez, croise les doigts. Le moment de vérité. On est revenu ici ? Merde ! Il est cassé. Oh non, oh, il est cassé dans notre gueule. C'est ça, c'est juste un vieux système. Attends, donne-moi la clé. Accès autorisé. Je pouvais le faire, ça. Oui, c'est pour ça. Il y a une liste des patients et du personnel. Qui est-ce que tu veux voir en premier ? Et on va s'arrêter là, n'oubliez pas le j'aime et le commentaire, on se retrouve très bientôt pour la suite de notre incroyable aventure avec l'épisode 41. Bisous tout le monde ! Bisous. Bye bye.